Ladies and gentlemen, Assassin's Creed Valhalla, épisode 0. Enfant des dieux, venez entendre mon terrible récit des prémices du temps. Tout était noir. Tout était vide. Il n'y avait ni sable, ni mer, ni terre. Et de ce hurlement surgit le géant Ymir, premier de tous les êtres. Ymir le fier, cruellement tué. Mais de ses os et de son sang et de sa cervelle naquit le monde où nous marchons et guerroyons. Te voilà. Let's go. Voilà ma petite reine. Bah. Alors, tu as vu notre roi. Ouais, bien. Approche. Tu as trouvé le brassard. Bien. Maintenant, pour notre petite affaire. Quand tu me verras parler, approche aussi discrètement comme une loi. Et surprends-le avec notre cadeau. Tiendra comme ça, tu le regarderas et tu diras: roi Styrbjorn, puisse nos clans être à jamais liés par l'amitié et l'amour. Tu vas faire ça. Bien. Ce soir, tu seras la corde qui unit notre peuple. Et je suis très fier de ton rêve. Mon épée a soif de sang. J'ai envie de me battre. C'est un vrai bonheur d'accueillir des gens aussi charmants chez moi. Tu n'as rien à voir. Viens, je vais te trouver ça. Je ne peux pas. J'ai un cadeau pour ton père. Oh, ce que c'est beau. Ça doit valoir au moins 2 robustes d'amis. Donne-moi ça, je lui offrirai. Mon père veut que ce soit moi, Sigurd. Comme tu veux. Mais tu n'auras pas d'hydromel. Le
sacre de Valka fait parler mon marteau. Alors, tu as le brassard ? Bien. Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille. Sur la voie du Nord. Mère ? Oui ? Peut-on montrer à Sigurd les pierres de Cairn qu'on a empilées hier ? C'est une bonne idée. On fera ça demain matin, à la première heure. À jamais lié par l'amitié et par l'amour. Oh. Merci, Eivor. Je suis pour toujours engagé envers toi. Alderoy, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'Yggdrasil. Yeah. Eivor!
Épargne mon clan. Tu as ma parole. Non, Varin. Non, Varin. Portage. Moduler ton identité en fonction de la force du signal. À toi de voir. Parfait. Je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. Depuis combien de temps me traques-tu, ami des loups ? 17 hivers ? 18 ? Suis-je partout dans tes rêves ? As-tu chauffé les reins ? Tu te souviens de ça ? Ah, la hache de ton père. L'arme d'un couard. Un pauvre serpent. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Tu finiras ta vie en esclave, asservi et humilié. Et tu mourras seul. Tuez tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups, n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein? Au navire. Au moindre
moindre geste. Je t'arrache les yeux, tu entends ? Le vent souffle du sud. Nous partirons au nord avant de couper vers l'ouest. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Mon équipage est en danger. Boiteux, man. Il faut que je le rejoigne. Maintenir V pour la vision d'Odin. Ça va mieux. Aide-moi. Deviens mes yeux. Stationnaire, placer un marqueur. Boost. Je me sens aussi un peu énervé là. Huh.
Escalade man. Je suis censé aller là-bas. C'est plongé. Ah non, mauvaise idée. Position accroupie, verrouiller la cible, shift pour l'attaque puissante. D'accord. Appelé Corbeau. Que vois-tu, ma vieille amie ? Trouvez votre équipage et libérez-le. Richesse.
On l'a ? Il y a un bateau. Ne doit pas être vu par ici. Piller coffre. Ok. Ricky Wolf, prépare l'enfant de Varin pour le marchand d'esclaves. Je peux te servir des autres pour ton sacrifice de sang. Quel enfer. Sacrifice de sang, bordel. D'entre nous avant d'être maîtrisés. Bah,
Eivor, fouet du marchand d'esclaves. Et puisque le prince Sigurd est sûrement perdu en mer, les grands corbeaux ne sont qu'un souvenir. Qui résonne. On se bat près d'ici. Dag, vieux chien, tu es vivant. Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi? Kjetve a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Avaldsnes il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureur de gloire, tu irais les sauver tout seul pour que l'on chante tes exploits? Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes, reprendre notre navire dragon et déployer la voile en triomphe. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, et tiens, ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, je te retrouverai au navire. Il est désormais possible de s'équiper d'un bouclier comme arme secondaire dans le menu de l'inventaire. Ok, main principale. Il est possible de tenir une arme ou un bouclier dans la main secondaire pour disposer d'un style de combat d'appui. Arme à deux mains, ok, arc. Et il va me filer un bouclier. Ok. Quête. Codex. Donc journal de quête. Ok, Norvège. Ok.
guerriers de Kjotve grouillent à Avaldsnes autant que des poux. Wow. Ah ouais, fuite mémoire, putain, quoi ça? Le jeu. Déclencher une putain de fuite de mémoire d'OBS. Alors j'avais 32 gigas de RAM utilisé là. Ubisoft de t'es mort. Inspiré d'événements de personnages historiques réels. Utiliser une arme secondaire. Et c'est Q pour bloquer alors. Et ça recommence. Regardez sur internet. Quel enfer. Alt tab. Ça le fait pas. Si je me mets genre... pénétrer. Pareil. Ouais, là j'ai la fuite de mémoire. Et je me mets en plein écran.
elle a 31% de mémoire utilisée. Donc... dire ça. Je regarde sur internet en vrai. Alors. Memory leak. Voilà là, OBS. Bizarre quand même, ce bug de mort là. Quel enfer.
Ok, on va tester comme ça. Clash kit. Je relance. On va voir si ça leak. Ok, là ça a l'air d'être normal. Let's go. Appel du Korbach. Thank you.
patrouille à Avalsnes autant que des poux. Si je passe par la grande porte, je risque d'attirer l'attention. Ah, maintenant j'ai du stutter sur OBS, mais quel enfer. Quel jeu de mort. On va faire autrement. Je vire les 5 là. Si je l'active dans les drivers Nvidia. Et donc là, si je fais synchronical, activer quand ça fixe. Tac.
Ouais, même là, il est en crise, là. Tester ce paramètre. Chelou.
Processeur à 90%. C'est juste un Ryzen 9 3900X. Sérieusement, Ubisoft. De nouveau du stutter là. Si je relance OBS.